Bonjour à tous, aujourd'hui c'est atelier Châteaufort. C'est parti! Pour cet atelier, il vous faudra un crayon, un cutter, des ciseaux, une règle et beaucoup de carton, dont 4 rouleaux d'essuie-tout. Pour commencer, il vous faudra découper 4 plaques rectangulaires de même dimension dans votre carton, 20 par 16 cm par exemple. Tracez les créneaux sur la partie la plus large. Puis découpez les créneaux. Et voici un premier rempart. Il en faudra 3 autres pour faire l'enceinte du château fort. Écrasez le rouleau d'essuie-tout. Puis découpez des languettes à une extrémité pour créer des créneaux. Pliez une languette sur deux, puis découpez-les. Faites de même pour les 3 autres tours de votre château. Raplatissez vos tours, puis mettez-les à côté des remparts. Marquez la hauteur du rempart. Puis découpez sur chaque pliure jusqu'à la marque. Une fois l'opération menée sur vos 4 tours, vous pouvez commencer l'assemblage. Vous pouvez parfaire le look de votre château avec un pont-levis. Découpez une porte dans un des remparts, puis faites 2 petits trous dans le rempart et 2 petits trous sur la porte. Assemblez le tout avec des ficelles. Vous pouvez aussi le décorer à votre goût avec de la peinture ou des crayons. Et voici un magnifique château fort pour jouer et inventer des histoires. A bientôt pour un nouveau tuto avec les équipes de Pierre Vive, domaine du département de l'Hérault.